Voilà, Jean-Paul Belmondo, il nous a quittés. Il nous a quittés soudainement sans prévenir gare. Mais on pouvait quand même s'y attendre. Tôt ou tard, tout le monde part. Pour lui, je dirais un jour ou un autre, ça n'avait pas de réelle importance. Jean-Paul Belmondo n'avait pas peur de la mort. Non, pas lui. Pas Jean-Paul Belmondo. Belmondo. BBL. Plus rien ne sera plus jamais comme avant, c'est sûr. Ton départ marque certainement la fin d'un temps, d'un air. Tu as tellement fait de ton vivant, tu étais rempli de talent. Cascadeur, boxeur, acteur, comédien. Tu étais simplement un grand. Un homme. Un grand homme. Un vrai. Un vrai homme. Un homme qui n'avait pas froid aux yeux. Qui savait connaître. Tu vas nous manquer. Tu nous manques déjà. La France t'a profondément aimé. Et la France, c'était toi aussi. Tu as incarné la France, sa culture, son cinéma. La France, c'était toi. La culture française, c'était toi. Le cinéma français, c'est toi aussi, c'était toi aussi. Oui, c'était encore toi. Tu es maintenant parti, mais tu ne nous as pas laissé seul. Tu nous as fait rêver, c'est sûr. Tes films, tes travaux, tes œuvres, ton destin. Tu es un de ces héros d'enfance qui part aussi, qui nous laisse. On a tous enfants voulu te ressembler. Je te dis adieu. C'est bon voyage.